Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Laure de Sagazan, créatrice de robes de mariée. Si vous vous mariez dans l'année, vous savez certainement qui c'est. Si vous ne mariez pas encore, Laure, est-ce que tu peux nous expliquer les caractéristiques et les codes de ta marque? Eh ben, nous, on fait des robes de mariée qui sont qu'on qualifie souvent de bohème ou de poétique. Poétique sans doute parce que l'usage de la dentelle de Calais, et elles ont un côté très léger, pas trop structuré. C'est assez fluide et rétro avec des jolies dentelles. Exactement. J'aime beaucoup le genre de robe dans l'esprit vintage. Et du coup, ça se marie très bien avec la dentelle de Calais, la soie. Donc en général, ce sont des silhouettes fluides et pas du tout les robes telles qu'on les connaissait il y a quelques années, volumineuses. Un peu meringue. Voilà. Soyons francs. Et alors, tu fais pas que des robes, tu fais autre chose? Bah, j'ai eu la chance, par le biais de plusieurs partenariats, de toucher à d'autres produits. Là, on a un beau partenariat avec Jacadi en ce moment, donc j'ai pu développer des robes enfants pour la cérémonie, avec des bijoux avec le printemps joaillerie, et à l'époque, on avait fait la lingerie à Kizet. D'accord. Donc ça permet de toucher à plein d'univers différents. Et il y a une collection avec Cézanne aussi qui vient de sortir, avec des jolies chaussures. Exactement, exactement. On a voulu proposer des alternatives aux mariés qui peinaient à trouver des chaussures. Donc on a une ligne qui a 4 paires de chaussures avec Cézanne, et puis de fil en aiguille, on a développé le dressing de la mariée avec une combi pantalon, une robe, un top, pantalon et jupe. Alors on est ici dans un appartement où tu vis depuis un an, où il y a eu pas mal de modifications. Tu vas nous montrer ça. On va aller dans la cuisine. Cette cuisine, elle n'existait pas du tout avant? Non, pas du tout. C'était une toute petite cuisine en bout de pièce. On a réuni une salle de bain et une cuisine. Et l'idée, c'était de casser la salle de bain pour faire venir la lumière dans le couloir. Et pour ça, vous avez installé une verrière toute hauteur. C'est assez original. Exactement. On avait vraiment très envie que la lumière puisse traverser tout l'appartement, donc d'où le choix de cette verrière. Cet appartement, il est un petit peu plus grand que celui que tu avais précédemment. Du coup, tu as refait un petit peu la déco. Ah oui, complètement. Bah, j'ai toujours adoré chiner. Donc c'est vrai que je me suis amusée à pas mal chiner, à acheter pas mal de nouveaux meubles sur les brocantes. Et donc c'est vrai que ça donne un côté assez vintage et bohème qu'on peut rapprocher de nos robes, parce que c'est vraiment le même esprit qui domine. Merci Laure pour la visite. Et merci. Retrouvez l'intégralité du home tour de Laure de Sagazan sur Hello Blogzine et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter. Merci, à bientôt.